La rencontre vient de débuter et à mon avis, une grande partie de foot nous attend aujourd'hui. C'est bien, dans ce stade, on sent vraiment vibrer la foule autour du terrain. Il y a beaucoup d'espoir sur cette rencontre. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Ballon subtilisé par l'adversaire. Nouvelle occasion de centrer. La défense a récupéré le ballon. Bonne réaction de la défense. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. C'est étonnant, il avait encore le temps d'avancer, il n'a pas avancé, il a préféré frapper de loin. Ah, c'est pas mal joué quand même. Le duel est remporté, c'est bien. Reprend le ballon. Keïta. C'est bien de partir en contre. Attention, énorme danger. Dégagement. Ils peuvent construire quelque chose. Une solide défense ici. Défense vigoureuse ici. Nouvelle occasion de centrer. Il a plusieurs solutions. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. La défense est en forme aujourd'hui. Encore une belle occasion. Ah, faute, l'arbitre doit siffler.
Est-ce qu'il va tenter sa chance? Encore une occasion de centrer. Encore une belle occasion. Il a dégagé. Encore une occasion de centrer. Le danger est écarté. Il tente sa chance. Va-t-il trouver le bon timing? Il est dégagé. On attend toujours le premier but, ça va peut-être arriver. Ah, ils se font déposséder du ballon. Il va marquer. Le gardien a dévié la balle, corner. C'est très haut. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Il tire. Quel cauchemar, but contre leur camp. À mon avis, ils vont regretter longtemps d'avoir concédé un but aussi stupide. Ils ont ouvert la marque, 1-0. C'est pas le moment de perdre les pédales quand même, mais il y a encore du temps pour revenir dans le match. La seule chose qu'il ne faut pas faire pourtant, ça serait d'en encaisser un autre. Alors il va falloir quand même un petit peu resserrer le jeu. Le ballon passe derrière les filets, 6 mètres. Il décoche un tir. Attention à ce jeu trop physique, coup franc. Trajectoire coupée par le défenseur. On n'a pas le droit de jouer comme ça, faute. Il reste un quart d'heure à jouer avant la pause. Récupération du ballon. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Bon réflexe, bien joué. C'est une très jolie passe. Le ballon passe au-dessus, c'est bien trop haut. C'est dommage qu'il n'ait pas le bon geste dans la finition. C'est encore une occasion de gâcher. À quelques centimètres près, c'était bon. Pour le gardien sur cette action. Ah, il n'a pas de chance. Et s'il avait réussi sa frappe, on avait vraiment senti que le gardien était à la pêche.
trop chaud pour le gardien. Il manque vraiment de coordination. Bonne réaction de la défense. La balle n'est pas passée. Quelle frappe ! C'est vraiment trop loin du cadre. Et quand je vois sa frappe aujourd'hui, je le connais bien, c'est mon pote. Et quand je sais que son pied gauche, il est certain monté dans le bus. Belle combinaison. Bien joué de la part du gardien qui capte le ballon. Il est hors jeu, c'est une évidence. Ils peuvent construire quelque chose. Et c'est dégagé. Et il y aura donc touche. Une nouvelle touche qui peut être dangereuse. La défense est solide. Long ballon aérien. Qu'est-ce qu'il peut faire là? C'est court-circuité. L'attaque a été tuée dans l'œuf. On est dans le temps additionnel. L'arbitre regarde sa montre. Il ne reste pas lourd à jouer. C'est déjà la fin de la première mi-temps. La défense a été calamiteuse par moment. Ajoutez à ça une belle... Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps alors que certains joueurs sont partis s'échauffer. Remise en jeu à leur faveur. Que vont-ils faire? Encore une belle occasion. Du pied, dégagement sûr. Ils peuvent construire quelque chose. Ils obtiennent la touche. Le ballon a franchi la ligne. Il a dégagé. Faute dangereuse et coup franc concédé. Il y a plusieurs possibilités. Quelles sont les options? Le ballon est attrapé par le gardien. Il a trouvé l'espace. Encore une occasion de centrer. Une solide défense ici. Quelle frappe! Oh non, il ne faut pas gâcher des occasions pareilles.
Bon, là, c'est vraiment dommage, parce qu'à mon avis, il avait une superbe occasion pour égaliser. Il s'est trouvé en bonne position, mais je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Nouvelle occasion de centrer. Il n'est pas avec cette frappe qui va effrayer le gardien. C'est dommage qu'il n'ait pas le bon geste dans la finition. C'est encore une occasion de gâcher. Il se défend bien. Premier changement de leur côté. Là, en fait, son entraîneur le sort parce qu'il revenait trop jouer au milieu de terrain. Mais ça faisait quand même 2 heures qu'il attendait le ballon devant. Encore une occasion de centrer. Il faut qu'il marque ici. Vont-ils être à égalité ? Oui, 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 bien sûr, bien joué, bien joué. Ce but est important. L'égalisation, donc. On va avoir une fin de match complètement folle. Il a eu raison de mettre le pied droit dans la finition. C'est le geste parfait, c'est ce qu'il va le faire. Il a eu raison de ne pas hésiter. Un partout, le match est relancé. En connaissant bien les deux entraîneurs pour avoir joué avec, je peux vous dire qu'ils vont vouloir la victoire maintenant. Hein. Ça a monté d'un cran, on sent que dans le stade, il y a la folie, les joueurs sont là, chaque équipe peut encore gagner, mais ça va se jouer à pas grand-chose à mon avis. Bien vu. Et Timoshchiouk. Oliech. Ça n'échappe pas au gardien. Il ne se précipite pas, c'est presque un jeu à l'italienne. Le ballon circule bien. Ah, personne à la réception, la balle est dégagée en touche. Bien servi en profondeur par son partenaire. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. Et l'entraîneur et les joueurs se prennent la tête. Hein. Il la croyait déjà dedans. Timoshchiouk. Excellente tête. C'est un ballon gagné. Superbe défense ici.
Pour l'instant, ils se contentent de faire tourner le ballon en milieu de terrain. Ils ont du mal à trouver une faille devant. Ça peut passer à gauche, ça peut passer à droite, nous verrons bien. Pas de faute pour monsieur l'arbitre. La balle change de propriétaire. Keïta. L'attaque ne donnera rien. Oliech. Trajectoire coupée par le défenseur. Ballon renvoyé en arrière. Pour Oliech. Nouvelle occasion de centrer. Il va peut-être marquer. Oui, c'est fait. Pour la première fois de la partie, ils prennent l'avantage. Pourvu que ça dure. La défense a laissé trop d'espace dans son dos, ce qui a permis au passeur d'être libre de tout marquage et d'ajuster son ouverture sur l'attaquant qui a pu se présenter tout seul devant le gardien et marquer. Seulement un but sépare les deux équipes. Là, c'est le bon moment. Ils ont réussi à inverser la situation. Je pense que ça va un petit peu réchauffer les supporters. Je pense qu'on va les entendre un peu plus maintenant. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient pas. Il faut vraiment du mordant chez les attaquants. Méchant tacle, sanctionné d'un coup franc. Il n'a même pas joué le ballon. L'arbitre sort un carton jaune. Il pouvait même peut-être sortir un rouge. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Ça ne va pas être facile d'ici. Bien défendu. Il a mis le pied sur le ballon. Allez, bien joué! Dégagement intercepté. Il peut marquer. Il tente. Oliech. Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Le ballon circule bien. Il y a de bonnes combinaisons. Tout ça, c'est bien joli. Mais il faut tout de suite marquer. Il donne le ballon au portier. Ah, quel dommage! L'arbitre a levé son drapeau. Il joue le ballon, pas le joueur. Qui va le tirer? Quelle frappe! Encore une occasion de gâcher car le tir n'est pas cadré. À mon avis, sur ce coup-là, il va y avoir explication entre le gardien et les défenseurs. Hein. Si tu laisses jouer un joueur comme ça et tu le laisses frapper, heureusement qu'il n'a pas cadré. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Ils se remettent à attaquer et ils ont bien raison. Il faut vraiment tenter quelque chose pour rester dans le match. Keïta. Et la faute est évidente. Timosiuk. Keïta. Cette passe en profondeur n'a rien donné. Elle est dégagée. Et Timosiuk. Keïta. Bon retournement de situation, il a le ballon. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Oliech.
Encore une belle occasion. Et là, il y a une faute là, c'est pas très malin. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. Une solide défense ici. Bien défendu, le ballon est récupéré. Aïe aïe aïe, la défense prend l'eau, les défenseurs ne savent plus quoi faire, c'est peut-être pas encore fini la galère. Oui, la demi-volée. Il frappe directement. En plein milieu de la surface de réparation. Le gardien peut remercier son défenseur, assez efficace. Ils ont de l'avance et la possession du ballon, il ne peut pas leur arriver grand-chose. Ils gardent les cartes en main. Pour Liège. Il n'y a rien à dire, ils ont mis le pied sur le ballon. Celui-ci circule bien. On va peut-être voir de belles choses. C'est une énorme occasion. Belle intervention du gardien, mais heureusement également que le défenseur était là. C'est chaud bouillant. Corner, excellent travail de pressing de la part de la défense. Il s'agit du deuxième remplacement pour cette équipe. Je dois dire que ce changement est complètement inattendu. Et des fois, il faut avoir un petit peu des idées bizarres pour être entraîneur. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Dégagé par le défenseur. Il a plusieurs solutions. Oh, le gardien le lâche. C'est une faute qu'il faut attendre. C'est le dernier remplacement de la rencontre pour cette équipe. C'est vrai qu'il n'était pas dans un grand jour aujourd'hui. Son remplacement me paraît normal. Ça peut donner quelque chose. L'attaque est stoppée, ça donnera rien. Un but, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux équipes. Il reste 5 minutes à jouer. Bien joué de la part de la défense. Au second, il me semble bien mené. Attention, une action dans l'axe. Le gardien l'a détourné au corner. La balle s'approche du but. Il n'a pas pu saisir complètement le ballon, mais heureusement, le défenseur était là. Timoshiuk. Non, il faut jouer le ballon en coup franc. Oliech. Oh, il est joli ce ballon. Il est tout près des buts. Il tente. Oh, c'est au fond. Ils prennent un gros coup sur la casquette. À mon avis, ils ne vont pas s'en relever. Sur ce but, vous avez vu, Tristan, il ne s'est pas posé de questions. Ça a été un véritable killer.
Il y a deux buts d'écart maintenant. Je pense que l'entraîneur a eu raison, c'était qui tout double. Il fallait prendre tous les risques. Espérons seulement que son président appréciera. Une défense intraitable, superbe. Une seule minute d'arrêt de jeu. Ils reprennent le ballon. Il manque vraiment de coordination. Pour Oliech. Encore une occasion de centrer. Il peut marquer. C'est un bon travail défensif. C'est dégagé. L'arbitre signale la fin du match. Il faut donc rentrer au vestiaire.